Bonsoir, bonsoir, n'importe quoi. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je vous fais un retour de course parce que je suis toute seule pendant 15 jours. Du coup, bah, il faut bien faire un peu de course. Il restait quand même pas mal de choses dans le frigo. Du coup, j'ai acheté quelques petites bricoles. J'en ai pour 23,11 €. Voilà, donc vraiment pas grand-chose du tout. Voilà, je suis toute seule pendant 15 jours. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Intermarché. J'ai vraiment pas pris grand-chose. J'ai pas gardé le ticket de caisse. Il doit être dans mon sac à main. Mais bon, je vous dis, j'en ai eu pour 23,11 €. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Mais je referai quelques petites courses dans la semaine. Parce que moi, je travaille. Donc, voilà. Mais j'ai le temps d'aller faire les courses après le boulot. C'est pas du tout un problème. Là, c'est un petit réasseur. Et puis, comme tout à l'heure, je vais à Paris avec une copine. On va à la Tour Eiffel. Et puis, on va pique-niquer. Du coup, j'ai acheté un casse-croûte et des chips. Mais il me semble qu'il en reste dans le placard. Mais j'en ai repris au cas où. Parce que j'étais pas sûre. Et j'ai pris des petites bouteilles d'eau. Voilà. Bon, je commence par le frais. J'ai déjà rangé le congelé. Il y avait une seule chose. Vous savez, c'est des petites crêpes. Tu sais, toutes petites crêpes, là, j'ai pris, je crois, c'est la marque Inter, c'est jambon, champignon, fromage, voilà. C'est très pratique le soir quand on n'a pas le temps. Voilà. Ensuite, bon, je commence par le frais parce que, voilà, je vais ranger le frais rapidement et puis après, on passera à la suite et je me dépêche parce que, aussi, après, je dois aller prendre le train, bah, pour aller à Paris. Alors, j'ai pris une Flamencuche. Voilà, pareil, c'est très bien. Ça dépend bien de l'itinéraire des saveurs de chez Intermarché. Elle est très très bonne. J'en ai déjà mangé. Je vais mettre ça là en attendant. Et ça ira dans le frigo. Après, j'ai pris du jambon. Deux tranches de chez Monique Ranou, moins 25% de sel. Une tranche pour moi, une tranche pour les chats. Voilà. Ils sont gâtés ces chats-là. Voilà, alors ensuite j'ai pris de chez Volaille une escalope de dinde. 1,11 €. Voilà, pour manger, je sais pas quand, un soir ou un midi. Voilà, ça sera très très bon. J'ai pris une côte de porc à griller. Donc sur la plancha, ça sera très très bon. 1,09 €. Voilà, c'est très bon, ça changera un petit peu. J'ai pris une escalope normande, comme ça, bon, c'est un cordon bleu. Avec dedans, il y a des champignons, du fromage, des lardons. Enfin, voilà. C'est très très bon. Hein. J'ai pris des saucisses. Voilà, parce que ça, c'est très bien aussi, ça dépanne bien. C'est vite fait, ou même pour mettre dans les salades, c'est très bon. Et c'est un sachet micro-ondable. Donc voilà, ça, c'est moins d'1 €. Je m'en rappelle. Pour tout à l'heure, le pique-nique. Un sandwich, jambon et mentale. J'ai pris des yaourts nature pour faire un gâteau au yaourt. Pour manger comme ça, mais ce sera plus pour faire un gâteau au yaourt. Donc j'ai pris les quatre comme ça de chez Pâturage. Donc c'est du lait français. Enfin, on va dire Naturea. Voilà, c'est des yaourts nature. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et pour tester, j'ai pris de la marque Top Budget. C'est du fromage ail et finzerbe, hein, tout simplement. Ça ne doit pas être mauvais, pareil, pour goûter. Toujours top budget, j'ai pris des crèmes dessert à la vanille. Voilà, bon, je coupe la vidéo parce que je range le frais et je reviens pour le non frais. À tout de suite! Du coup, on continue avec le non frais. Et je viens de regarder. J'ai bien fait de ramener des chips parce que il n'y en a plus. Ça a dû être emmené. Donc voilà, j'ai bien fait de racheter un paquet de chips. Bref, j'ai pris un pack d'eau de la marque Inter. C'est nouveau, Nativa, je sais pas quoi. Donc, voilà, une petite bouteille d'eau. Il n'y avait pas autre chose. Les rayons, c'était un petit peu vide. Il y avait un monde. Faire ses courses le samedi, hein. Voilà. Je voulais les faire hier, mais j'avais la flemme. Du ketchup. Ça va dans le frigo, mais c'est moins urgent. Du ketchup, voilà. De la javel pour nettoyer les tirs des chats.
Voilà. Un 4 quarts. C'est pas la marque. C'est la marque, mais il était moins cher que le Intermarché. Et en plus, je pense qu'il est très bon, un produit en Bretagne. Un Kerkad et la 4 quarts pur beurre. Donc, pour demain matin, ça va être très bon. Ensuite, j'ai pris, c'est le seul gâteau que j'ai pris, un lot de deux. Voilà, c'est des chabriors. Voilà, c'est des tartelettes comme ça, la fraise. Voilà, pas extraordinaire. Mais ça change des tartelettes top budget. Hein. Puis il y en a deux, c'était 1,45€ ça. Donc, franchement, ça va. J'ai pris du riz en sachet pour voir. Ça, c'est du riz. Hein. Voilà, du riz long grain pour manger du poisson, je ne sais quoi. Et des légumes, parce qu'il faut varier les plats. Voilà, ensuite, une botte de petits pois carottes. J'ai pris de la soupe, pareil, j'ai envie de goûter des produits top budget, parce que, voilà, c'est pas très cher. Ça, je suis d'accord. Mais voir si c'est bon. Moi, c'est sûr que si c'est pas bon... Bah, je ne rachèterai pas, mais si on goûte pas, on peut pas savoir. Donc j'ai pris de la soupe comme ça, top budget, à voir. C'est une soupe de légumes variés, voilà. Enfin, voilà, c'est de la soupe. Ça dépanne toujours, hein, même en été. Hein. Moi, je vous avoue, je m'en fiche. Ça, c'est pour mettre dans les toilettes. C'est du désodorisant gel, je sais pas quoi, marine. Ça sent bien les produits pour les toilettes. J'ai pris de l'adoucissant pour le linge, parce que d'habitude on utilise de la lessive, vous savez, de la lessive liquide, quoi, de la lessive classique, mais enfin, pas de la lessive liquide, non, en dosette, là, comme la genre Ariel, etc. Mais nous, c'est pas de l'Ariel, hein, c'est de la Lidl. Mais ce que je voulais dire, oui, du coup, il n'y a pas besoin d'adoucissant. Et là, on a juste de la lessive, on a aussi de la lessive liquide, et on met pas beaucoup, on met rarement de l'adoucissant. Mais là, comme je suis toute seule, je me suis dit, tiens, moi, je vais essayer de mettre un peu d'adoucissant. Voir ce que ça fait sur le linge. Je pense que ça fait pas de mal. Hein. Non, ça n'existera pas. Du coup, bah, j'ai pris de l'adoucissant Apta, comme ça. C'est moins d'un euro. C'est un euro et quelques, je crois, pardon. Donc, c'est concentré des champs. Aloe vera, fleur de printemps. Pour 27 lavages, un parfum qui dure plus longtemps. Je sais pas ce que ça sent. Oh, ça doit sentir... Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent le frais. Des chips, j'ai bien fait d'en prendre. J'ai pris les boutons d'or extra. Et j'ai pris un paquet de pâtes. Je voulais les peiner. Eh ben, je peux aller me brosser. Il n'y en a plus pas. Il n'y avait pas grand chose dans les pâtes. Hein. Franchement, les rayons dévalisés. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'était dévalisé. Enfin bref, j'ai pris du coup des fusils. Voilà. De chien. C'est évidemment. Et j'ai pris des sachets pour les chats. Voilà. Canaillou mijoté en sauce au poisson. Pour adultes. Chat adulte. Bien évidemment. Bon. Bah, c'est tout. Voilà. C'est tout pour ce retour de course. Il n'y a pas grand-chose. Hein, mais j'en referai quelques-unes dans la semaine des courses. Voilà. J'aurai, je sais pas où. Peut-être même demain matin. Tiens, ça fera la sortie du dimanche matin. Enfin, je verrai bien. Enfin, voilà. Bah, je vais ranger tout ça. Et puis, bah, après, je vais y aller. Parce que, voilà. Je vais prendre le train. Pour aller sur Paris et préparer le sac pour le pique-nique avant. Donc, je vais couper la vidéo. Et donc, je vous fais de gros bisous à tous et à bientôt. Salut !